Le gouvernement organise, en partenariat avec les bureaux pays du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, une session de formation à l'intention des responsables des forces de défense et de sécurité. Et c'est là dans les soucis de mettre en œuvre la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies pour atténuer les éventuels risques de violations des droits de l'homme liés au processus électoral. Cette formation permet aux différents responsables des forces de défense d'échanger sur la question du respect des droits de l'homme en période électorale, précise la représentante du Haut Commissariat des Nations Unis aux droits de l'homme. Cet atelier nourrit l'ambition d'apporter sa contribution, mais à fournir une opportunité d'échange sur l'approche à développer pour respecter ses engagements et les conciliant avec les impératifs de la sécurité nationale. Le directeur général du ministère de la Justice, chargé des droits humains, souligne pour sa part que cet atelier revêt une importance capitale pour le Tchad, car il se tient à la demande du gouvernement. Par la ratification de ces différents instruments, l'État tchadien s'est engagé résolument à promouvoir, respecter, protéger et à mettre en œuvre les droits de l'homme. La représentante du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme affirme que son institution continuera à soutenir les efforts du gouvernement en faveur de la promotion de la protection des droits de l'homme dans ce contexte électoral.